Bonjour à toutes et à tous, c'est Redemorvac et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing à vie sur un produit que j'attendais énormément. Faut savoir que ce produit m'intéressait pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme la quasi-totalité des gamers, c'est que j'ai commencé avec des casques dits gamers, donc de chez Corsair, HyperX et autres. Et du coup, je me suis dit, la qualité audio ne peut pas être pire que les casques dits audiophiles vendus un peu plus cher, sachant qu'en plus, ils ont un micro intégré au casque. Pendant très longtemps, moi je me suis dit que la qualité des casques gaming que je trouvais très bon égalait facilement les casques audio. Premier constat lorsque j'ai acheté un micro Blue Snowball pour la première fois, c'est que la qualité micro de ces casques, en fait, elles étaient vraiment pas terribles. Donc je me suis dit, je ne peux pas me passer d'un tel micro parce qu'il a vraiment une qualité de dingue, c'est vraiment une qualité largement au-dessus. Et du coup, je ne garde que le casque. Or, à un moment, je me suis dirigé vers un casque un peu plus audiophile parce que j'ai eu quelques gamers utiliser ce casque. C'était un Beyer Dynamic. J'étais parti sur le DT990 Pro qui avait de très bons retours. Et effectivement, j'en étais extrêmement content parce que la qualité audiophile, ça n'avait absolument rien à voir avec un casque dit gaming. Ensuite, je suis reparti sur un casque gaming qui était un Rocat qui avait une très bonne qualité audio, un très bon micro là aussi. Mais ça n'égalait toujours pas en fait un casque audiophile. J'ai posé mon bras parce que j'évite de toucher la table parce que le micro est sensible, j'ai toujours pas le chuckmon pour le fixer en haut. Hein. Très rapidement, je suis reparti sur un casque dit audiophile. J'avais un ATH M50X et je suis reparti récemment sur un DT770 Pro où j'ai énormément entendu de bien sur sa qualité audio, sachant que le confort d'un Beyer Dynamic me manque énormément, suite à une vidéo que j'ai vue de Discover ID, encore lui, qui présentait un micro qui se branchait au casque, qui était juste une qualité de dingue. Je connaissais le Amplion ModMic 5, qui du coup était un micro, là aussi se branchait à n'importe quel casque grâce à des petits aimants, mais qui était filaire. Donc ça rajoutait un fil, mais je me suis dit, n'empêche, on a moyen de faire un mariage qui donne le meilleur casque gaming en fait. Et il avait présenté, ça fait un petit moment maintenant, j'ai mis du temps à acquérir ce micro, mais ça y est, je l'ai enfin, le ModMic Wireless. Donc c'est un micro qui, pareil, peut s'attacher à n'importe quel casque et jouer le rôle d'un micro, tout simplement, et transformer un casque audiophile comme celui-ci en micro casque avec un micro de qualité, je trouve dingue, surtout pour du sans fil. Voici donc le ModMic Wireless, une vidéo qui va se dérouler en plusieurs parties. Donc il y aura le test de ce micro là, le test de ce casque là bien entendu parce qu'il est vraiment extraordinaire, faut que je vous en parle, et il y aura une vidéo qui va parler des deux ensemble. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un micro casque qui peut coûter plus de 150 € alors que avec ce produit là et celui-ci, pour un petit peu plus de 200 €, on a peut-être l'un des meilleurs micro-casques gaming. La question peut être posée, surtout quand on voit que des micro-casques peuvent coûter ce prix-là en étant filaire aussi. Allez, c'est parti pour le déballage de ce micro avec la boîte qui a été partiellement arrachée. Hein, j'ai eu un peu les boules quand je l'ai eu, et si je continue comme ça, je vais arracher la boîte, moi. Ah, j'avais pas vu que j'avais laissé mon... Voilà, c'est plus joli quand même. Allez, c'est parti, on va découper ces petites languettes, évidemment, qui empêchent l'ouverture. Hop, du coup, dans la boîte, on retrouve une grande pochette et ensuite rien du tout. Donc on va balancer la boîte qui permet tout simplement de transporter son micro. Donc ça, c'est plutôt cool. Si jamais vous voulez le transporter sans l'abîmer, ça, c'est toujours bienvenu. On va l'ouvrir et on va voir ce que l'on trouve à l'intérieur. On a une petite notice. Read this. Moi, je vais faire mon rebelle, je vais pas le lire. Ce qui est marrant par contre, c'est que le casque qui est présenté ici, c'est clairement un Audio Technica. Je reconnais absolument le design, en plus je l'ai eu, je l'ai possédé. C'est marrant qu'ils aient pris de l'Audio Technica. D'ailleurs, c'est sur la boîte aussi. Ça se voit énormément que c'est un Audio Technica. Donc, est-ce qu'ils ont une alliance? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici une petite pochette avec les aimants qu'il va falloir coller, je pense, sur les casques. Donc, je vais vous l'ouvrir avec, du coup, de l'alcool pour nettoyer le casque avant de coller, les aimants. Alors, je regarde. Alors, il y a deux petites pastilles, qui sont pas aimantées. Je ne sais pas à quoi elles servent, du coup. Ici, on a un truc. Je ne sais pas non plus à quoi ça sert. Je suis désolé. Et enfin, on a l'aimant où il va falloir accrocher le micro qui se trouve juste ici. Hop, bien protégé. Et qui, d'ailleurs, a déjà... Vous voyez, c'est bien aimanté. Qui a déjà une base ici
qui est accroché là. Et donc, on colle ce petit bout-là sur un casque, par exemple, ici, à tout hasard. Et on va du coup, une fois collé, venir brancher le micro. On va poser ça pour l'instant. Qu'est-ce qui reste dans la boîte? Qu'est-ce qu'il reste dans la boîte? Il reste du coup le récepteur USB qui va venir se brancher sur le PC, par laquelle va venir l'enregistrement de la voix. Donc on a un petit bouton ici, je pense c'est pour l'allumer ou commencer l'appareillage. On a trois LED qui ont des fonctions définies. On a ici une rallonge USB pour rapprocher si l'on veut le récepteur. Et enfin on a un câble de rechargement USB vers micro USB. Donc pas d'USB-C là non plus, c'est dommage. Et c'est à peu près tout. Donc je vais revenir mettre tout ça dans la petite pochette et on va passer un peu plus sur le micro. Alors ça je vais le garder et je vais même le brancher tout de suite, que l'on puisse recharger un peu le micro s'il est déchargé, que je puisse vous faire un mini test déjà. Ah non, il a l'air d'être chargé. Donc vous voyez, je viens d'appuyer et on a une lumière bleue. La lumière bleue, ça va être pour l'appareillage du micro sur le récepteur. Donc là, il clignote, c'est-à-dire qu'il cherche. Donc on va venir brancher tout de suite le récepteur et on va venir rester appuyé. Voilà, il y a une lumière bleue qui apparaît ici, il a appareillé. Donc là, on n'a rien d'autre à faire. Si on vient appuyer, on a une LED rouge, c'est-à-dire que le micro est mute. Si on vient réappuyer, eh bien, ça veut dire que le micro est démute. On a ici une petite LED orange qui va venir clignoter lorsque la batterie devient faible. Et on a la même chose qui se trouve ici, je vais vous filmer d'un peu plus près, mais qui reprend les trois LED qui sont ici. Donc il a l'air d'être, en fait, un peu chargé. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais couper ce micro là et je vais passer sur celui-ci. Me voici donc avec ce micro. J'ai enfin réussi à l'accrocher au casque. Il fallait utiliser les petits ronds. Non, c'est pas le truc pour vous mettre un coup, hein. Vous inquiétez pas. Il fallait donc mettre les petites pastilles autocollantes pour avoir une meilleure accroche au niveau de l'aimant. Et maintenant, je parle avec ce micro. Voilà, qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, celui-ci est désactivé. Si je tape dessus, ça fait rien. Mais si je tape là, vous devrez avoir maintenant une oreille de cassé. Alors je suis en version unidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est seulement ce côté-ci, du coup, du côté de ma bouche qui est enregistré. Si je tape là, vous devriez pas trop entendre, du moins assez peu, les bruits de ce côté-là. Et de ce que j'ai pu entendre, la qualité unidirectionnelle est un peu moins bonne que l'omnidirectionnelle, vous verrez tout à l'heure, mais elle reste très loin d'être dégueulasse, elle est vraiment très bonne même. Ce qui est incroyable, c'est que c'est vraiment un micro sans fil, tout simplement, et je peux le prendre à bout de main et tout simplement partir me balader ailleurs, vous m'entendrez toujours aussi bien. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de coupure sur l'enregistrement audio, parce que sinon j'aurais l'air d'un con, hein. Mais voilà, c'est vraiment un truc où je le recolle, paf, voilà. Si je veux le relever, je le relève, je peux le remettre là, je peux le placer ici, voilà, la tige, hop, vous allez entendre les bruits, je suis désolé, se place très bien. Bon, moi je le mets par là, ça suffit amplement. Et franchement, la qualité est pour moi assez bonne pour faire de la voix off. C'est vraiment un truc de dingue, ce qui permet non seulement de transformer un casque audiophile en un casque, un micro-casque en fait, et l'utiliser pour du gaming, c'est ce que je fais avec ce casque, avec une qualité audio digne d'un micro sur pied en fait, ce qui est absolument génial je trouve. Allez, trêve de bavardage, on va passer sur l'omnidirectionnel. Donc voilà, je suis sur l'omnidirectionnel, vous devriez entendre une différence, certes elle peut être légère, il vaut mieux avoir un casque pour s'en rendre compte, si vous écoutez ça depuis un téléphone, ce sera peut-être moins subtil, mais il y a une différence. Et normalement, voilà, vous êtes censé mieux entendre tout ce qui est bruit environnant. J'en ai marre de me tromper dans mes mots à chaque fois, moi. Et je trouve la qualité, en fait, meilleure. Et si je regarde, j'avais cru voir ça au niveau des courbes audio, mais le son a un débit plus faible. Alors, je vais le corriger au post-traitement, mais je vais juste augmenter le débit, mais je ne toucherai en aucun cas à la qualité audio qui restera la même. Je ne ferai aucun traitement là-dessus à part augmenter le débit sur l'omnidirectionnel. Je vous laisse aussi avec quelques exemples de live que j'ai fait avec ce micro, avec de l'omnidirectionnel et de l'unidirectionnel, et je vous laisse aussi un live que j'ai fait avec ce micro là pour que vous puissiez entendre la différence et voir la qualité que peut donner ce micro qui, je répète, est sans fil. Mais en gros, si tu veux, on est en CM2. Et en fait, on est arrivé en CM2 et il y avait un préau où on jouait au foot.
Et en général, c'est toujours les CM2, tu vois, qui régnaient sur le préau, tu vois, qui décidaient, cette récré, c'est nous, et puis si on est là, bah, vous avez pas le droit de jouer et tout. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, c'est Rédemo avec, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rocket League, où on va essayer de choper des... dans les classements, on va essayer de choper le platine, ok? Il n'y a pas une autre qui peut se faire... Nickel. Oh putain, mais non! T'es pas bien! Tu veux me faire avoir une crise cardiaque! Salut, rédaction! Bienvenue sur le live! De quoi, effectivement? Bon, après, au pire, de toute façon, je crois que le problème, c'est que la pierre, elle permet... de récupérer 50% de sa vie, si non, de sa magie, si on me touche. Et ça permet autre chose, mais je crois que ça améliore pas, genre, le temps d'apprentissage. J'ai pas à la faire tout de suite et j'ai privilégié le temps d'apprentissage de... Ouais, t'inquiète. Elle est où, d'ailleurs? Je vais juste aller voir. Allez, ça arrive bientôt, on va créer le personnage. Pas de problème, tu peux faire 3 choses à faire, j'espère que Claude va s'en sortir dans Claude. Mais Claude, c'est le meilleur, il va encore aller en finale. N'empêche, 2 participations, 2 finales. Et il a pas gagné parce que les autres ils l'aiment pas, parce qu'il est trop fort et qu'il est franc et qu'il dit la vérité, putain. Pendant les lives, je les ai écoutés longtemps, j'ai pas eu de soucis de décroche ou quoi que ce soit, surtout que au niveau de du récepteur, je l'ai mis la rallonge et du coup il se trouve juste à côté de moi le récepteur, donc il n'y a aucun souci. Sachant que comme je vous l'ai dit, vous avez les LED qui résument ce qui se passe au niveau du micro. Donc vous avez la bleue, c'est connecté, si j'appuie sur le mute... dit que vous aviez la LED, et si vous avez la LED orange ici, et du coup vous pourrez voir que la batterie commence à fondre et qu'il faudra le brancher. Alors rapidement, avant de conclure, quelques petites fonctionnalités. Vous avez un bouton qui est juste ici, vous pouvez voir, si vous appuyez dessus. Voilà, je disais que si vous appuyez sur ce bouton, il y a une LED rouge qui apparaît, qui indique que vous êtes en sourdine. Il y a aussi une LED orange qui signifie que vous êtes en train de recharger votre micro. Chose qui est dommage, c'est que quand vous le rechargez, à aucun moment la LED s'éteint pour dire que c'est complètement rechargé le micro. Ce qui est dommage, en gros, je ne sais pas quand est-ce qu'il est rempli à fond. Je l'avais laissé toute une nuit, je l'ai retrouvé en orange, je me suis dit c'est pas possible, soit il faut 30 ans pour recharger ce micro, soit il n'y a pas la fonction qui permet de savoir quand est-ce qu'il est chargé. Alors, j'ai pas pu filmer de LED rouge pour absence de batterie, tout simplement parce que je le recherche tous les 2, 3, voire 4 lives. En général, je fais des lives de 2 à 3 heures. Et du coup, la batterie tient extrêmement bien. Et de toute façon, si la batterie tombe en panne, eh bien c'est simple, vous pouvez jouer malgré tout en branchant le micro. Voilà, c'est juste que vous aurez 2 fils au lieu d'un. Ça ne changera pas la qualité audio. Vous pouvez quand même jouer en rechargeant la batterie. Donc, au niveau de l'autonomie, je vais le remettre là. En fait, c'est excellent. Ce que je fais en plus maintenant, en général, c'est que je joue avec. Je fais 2-3 lives ou 2-3 sessions. Je le recharge, je le reprends et je rejoue. Et je suis, pour l'instant, jamais tombé en rate de batterie comme ça. Mon avis sur ce micro, tout simplement, c'est excellent. Surtout lorsque je joue avec mon casque VR. Je vous aurais laissé quelques extraits là aussi. Mais c'est tout bonnement excellent, en fait. Ça permet d'avoir un micro de très, très grande qualité. Hein, je répète, mais la qualité est vraiment dingue. Surtout... pour un petit micro de cette taille-là, en fait, c'est vraiment un petit micro, c'est tout petit. Et c'est sans fil, quoi. C'est vraiment, rendez-vous compte, c'est quand même dingue. Tous les micros casques sans fil que j'ai pu tester, et dont deux où j'ai fait une vidéo sur cette chaîne, la qualité du micro, ça a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est en plus très pratique, parce qu'il y a juste à le brancher là, j'ai pas de fil supplémentaire. Je prends mon casque VR, hop, je mets le casque et j'ai un micro d'excellente qualité. Je ne suis plus obligé d'utiliser ce micro qui est trop loin, où on entend toutes les résonances de la pièce. Là, j'ai le micro directement à côté de la bouche, ce qui est le mieux en fait. Ce fil commence à m'énerver là. Voilà, couche. Oui, j'essaye de dominer un fil. Au moins, je domine quelque chose. Alors, au niveau du prix, certes, il est assez élevé. C'est un peu plus de la centaine d'euros. C'est à peu près 110-120 euros sur Amazon. Mais pour ce prix-là, en fait, vous avez un micro sans fil de qualité, assez qualitatif pour faire de la voix off. Donc, vous pouvez faire plein de choses avec. Ça nécessite en plus pas de réglage. Il n'y a aucun logiciel pour le régler. Et il n'y en a pas besoin, en fait, parce que la qualité de base, moi, je la trouve
tout simplement superbe. Le seul point négatif que je mettrais quand même, c'est que on n'a pas de retour voix, ce qui fait que par exemple avec ce micro là, j'ai mon retour voix, ce qui m'évite la plupart du temps de trop gueuler. Là, j'ai pas de retour voix, donc c'est avec le casque fermé, on a tendance à parler beaucoup plus fort. Donc verdict, vous aurez compris, je suis ultra satisfait de ce micro. Ça me permet de me passer de ce micro-là pendant les lives, c'est ultra pratique. On n'a pas de micro devant soi, surtout que j'ai encore rien pour l'accrocher, donc voilà, ça me dépanne énormément. Et pour la VR, c'est tout simplement ce qu'il me fallait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur ce micro. J'essaierai de vous y répondre au mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'impression de mendier en faisant ça. Abonnez-vous s'il vous plaît. Comme à chaque fois, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le serveur Discord. Et ciao tout le monde, bye bye. Bam. Allez, ça c'est plié.